Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les statistiques. Voilà, conseil pour avancer dans vos songes infinis. Et là, ça va être la révélation sur mes statistiques concernant mes coffres. Alors, ça va pas être hyper intéressant pour vous, mais c'est juste pour vous montrer, savoir si vous êtes plutôt bien en fait. C'est juste pour vous donner une moyenne pour savoir, voilà, si ma run est super bonne, si j'ai une run assez bof, ou si plutôt ma run est excellente. Voilà, ça va être sur l'obtention, sur le nombre de vos gros coffres, principalement sur d'ailleurs tous vos coffres, hein, petit, moyen ou grand. C'est quand même intéressant d'avoir du moyen à haut étage, parce qu'il y a quand même des légendes intéressantes, c'est ce qui va rapporter des kamas. Donc voilà, on repart sur la map des songes infinis. Donc si vous avez suivi ma première vidéo concernant les boosts, et ben pour les coffres en fait, il y a une corrélation en fait sur ce que vous faites. Pourquoi ? Parce que les pensionnériques et les balades fantastiques, comme vous n'allez pas focus les gros coffres, vous allez plutôt focus les boosts, il est normal. Et mettez-vous bien en tête que vous n'allez pas avoir de gros coffres sur ces paliers. Bien qu'il me semble que si je relis vite fait la mise à jour, je pensais l'avoir lu quelque part il y a longtemps. Là, je suis revenu, il y a eu un petit changement en fait depuis janvier, c'est que les scores sont légèrement augmentés aux étages 200 et 220, parce qu'il y a eu un peu une crise, il y a eu des discussions au niveau du forum, de la communauté concernant l'obtention des gros coffres, et c'était vraiment, vraiment, vraiment chaud d'avoir des gros coffres à bas étage, hein. Il fallait avoir même des doubles boss assez chauds, parfois vous n'avez qu'un moyen coffre, c'était assez compliqué. Mais là, ils ont augmenté, donc là, je pense que c'est possible d'avoir que des gros coffres à bas étage. Mais pour une team FK Panda double J, déjà, c'est pas rentable pour nous. Nous, ce qu'on veut, c'est les gros coffres bleus et les gros coffres violets. Donc, comme je vous l'ai dit dans mes conseils boost, on prend que des boosts à bas étage. Mais dès que vous allez entrer aux espaces imaginaires, là, votre nombre de gros coffres va augmenter considérablement. Parce que vous avez assez de force de frappe pour faire des doubles boss ou même faire des gros boss avec des gros cauchemars pour justement avoir ces gros coffres. Donc dès que vous atteignez en fait l'espace imaginaire avec cette brumeuse, ce que je vous conseille, c'est de croiser que des gros coffres. Et qu'est-ce qui peut vous aider à obtenir des gros coffres? C'est d'ajouter des boss. Et donc Ankama a très bien fait les choses, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, c'est que on a beaucoup plus de chances. On a limite 50% de chance de, parmi nos trois choix lors d'une salle qu'on peut acheter dans le bazar, une chance sur deux, en fait, on peut croiser un ajout de boss. Ce qui est assez fort. Et ajouter des boss, ça va vous permettre d'augmenter votre score de difficulté. Et qui dit augmenter votre score de difficulté, ça va vous permettre d'augmenter les gros coffres. Alors, il y a une règle que je vais vous dire, la règle générale, en fait, sur l'obtention des coffres. Elle est très simple. Vous obtenez en fait un petit coffre si la règle numéro 2 et la règle numéro 3 n'est pas respectée. Donc la règle numéro 1 c'est ça, hein, c'est vachement, vous avez un petit coffre si la règle 2 et la règle 3 n'est pas respectée. Et qu'est-ce que la règle numéro 2 et la règle 3? En fait, je vais vous expliquer la règle numéro 2. C'est que pour avoir un moyen coffre, vous devez taper une salle qui a un score de difficulté supérieur à votre étage plus 25. Ok, je m'explique. Donc là, si je suis dans cette salle, là par exemple, je vais avoir un petit coffre sur le Caniboulet Bill et le Chouk, et un petit coffre sur le Chouk et le Bateau Fou. Parce que 242 et 248 n'est pas supérieur à mon étage 226 plus 25. Voilà, très simple. Et du coup, la règle numéro 3 pour avoir des gros coffres en règle générale, c'est que le score de difficulté de votre salle doit être supérieur à votre niveau d'étage plus 50. Et là, vous pouvez voir que le Chouk et le Shenmue, je suis sûr et certain d'avoir un gros coffre. Déjà parce qu'il y a l'aura imposante, hein, c'est l'aura le plus gros. Mais je suis sûr et certain parce que la différenciation entre le score de difficulté et le niveau d'étage dépasse 50.
Donc là, j'ai un gros coffre. Et si je sors de mes sons, je vais. J'espère que ça va arriver assez vite. Commencer une nouvelle run. Bon, j'ai deux choix ici. Et là, normalement, si la règle numéro 2 est respectée, c'est-à-dire s'il y a une différenciation en fait de 25. Tac, non, pas là-dessus. Mais en fait, vous obtenez un coffre moyen et en règle générale, voilà. On est là-dessus. Parfait. Donc là, je suis à l'étage 200, donc c'est-à-dire que pour avoir un moyen coffre, je dois être 225. Et du coup, le gars Blop Griotte Royale m'obtient du coup un coffre moyen. Parce que 240, c'est supérieur à 200 plus 25. Et en plus, vous avez l'aura moyenne qui apparaît. Cette aura moyenne apparaît vraiment à partir de 25 plus. Ok, c'est pour vous éviter à faire trop de calculs en fait. Et l'aura vraiment insane apparaît tout le temps quand il y a une différenciation de 50. Ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est cette règle générale qui apparaît au niveau des coffres. Et du coup, plus vous ajoutez de boss, si vous ajoutez des boss, forcément le score de difficulté va augmenter et vous allez avoir plus de coffres moyens ou plus de gros coffres. Alors, pour savoir si vous allez vraiment choper le moyen ou le gros coffre, il faut connaître vraiment ce que va rapporter le boss que vous ajoutez. C'est pour ça qu'il faut connaître, on va dire, les statistiques sur les différents ajouts, de boss. Donc voilà ce qui en est pour ces coffres. Donc voilà mes statistiques pour terminer. Donc c'est en règle générale les coffres que j'obtiens en moyenne. Dans les postes génériques, j'obtiens 14 petits, 13 moyens, 3 gros. Ben, fantastique, 17 petits, 18 moyens et 5 gros, ce qui m'intéresse pas. Ce qui explique aussi pourquoi la légende animale de... Comment elle s'appelle? La légende de Burado, qui se trouve dans le gros coffre orange, est assez cher pour certains serveurs, parce que forcément, on n'obtient pas forcément beaucoup de gros coffres des balades fantastiques. Donc c'est pour ça que la légende est assez chère, parce que déjà, vous avez très peu de chances d'obtenir une légende. Et en plus de ça, bah, vous n'avez pas beaucoup de coffres. Donc ce qui explique qu'elle peut être à 30-40 M, voire plus. Je connais pas le prix sur d'autres serveurs. Moi, je suis sur Julith, par exemple, et je sais qu'une légende de Burado, c'est assez cher. C'est plus cher que d'autres légendes qu'on trouve dans les paliers supérieurs. Du coup, quand j'arrive dans l'espace imaginaire, bah c'est là que je focus plus les gros coffres, donc je focus plus les ajouts de boss, et j'en obtiens vraiment beaucoup, j'en obtiens déjà 20 en moyenne. Donc je vous laisse regarder les différentes stats à gauche. Et enfin, les concepts brumeux, donc voilà, là c'est vraiment la rentabilité à 100%, c'est qu'en moyenne, si vous respectez ça, vous avez 41 gros coffres en moyenne. Ce qui est assez insane, hein. Vous multipliez par 4, ça fait quand même une belle run à 160 gros coffres. Donc votre run est rentable, hein. Si on parle uniquement aux Zinzolins, vous êtes plutôt bien. En plus, donc voilà, comme j'ajoute beaucoup de boss, j'ai beaucoup de stats donc, qui se trouvent sur le premier onglet. Je tease un peu, mais voilà, si ça vous intéresse vraiment, vous pouvez faites-le moi savoir dans les commentaires et je vous la montrerai. C'est très intéressant, vous voyez quel boss donne combien de points à peu près, et du coup c'est très très utile pour savoir si c'est un intérêt en fait d'ajouter un boss ou pas. Parce que parfois, ça arrive très souvent que vous ajoutez un boss et vous gardez en fait le même coffre que vous étiez censé obtenir à la base. Donc ce qui était assez ridicule. Et moi, j'en avais un peu marre. J'en avais vraiment marre de ce système-là. Donc j'ai décidé, allez, à partir de maintenant, je vais noter des stats. Parce que comme ça, fini les mauvaises surprises et c'est beaucoup moins casse-pieds. Et du coup, plus ça affine justement ces statistiques, plus vous êtes sûr d'avoir des gros coffres. Et bah, vous pouvez le voir, hein, sur mes gros coffres violets, j'ai fait des runs genre à 35, à 26. Après, j'ai baissé un peu, mais regardez bien, j'ai fait 31, 39, 40, 52. Et ma dernière run à 65. Là, je suis sur une run en cours. Donc, bon, ça va être très dur, hein, parce que il faut quand même avoir pas mal de stats. Il faut quand même avoir aussi un facteur chance, hein. Mais il est tout à fait possible, si on s'y connaît vraiment bien, avec de la chance, d'avoir une run parfaite au niveau des gros coffres violets. Donc voilà, ça c'est une explication
de mes statistiques en fonction des gros coffres. Une prochaine vidéo sera sûrement des petits tips pour avancer dans vos songes. Et à la fin, si je suis motivé et si mes stats sont vraiment fiables, je vous les dévoilerai volontiers, ce qui vous permettra justement d'avoir encore plus de gros coffres, qu'il y ait beaucoup plus de joueurs qui obtiennent ces gros coffres, et donc que ces légendes justement tombent de plus en plus et qu'on arrive tous ensemble à avoir des légendes. Parce que je recherche quand même une légende de corruption, une légende de servitude, et ce serait vraiment bien qu'il y en ait beaucoup plus sur les serveurs, comme ça le prix va forcément baisser. Je l'espère en tout cas. Donc voilà, c'est la fin pour cette vidéo qui est assez longue, je pense. La prochaine sera beaucoup plus rapide. Mais voilà, il s'agissait de mes statistiques sur l'obtention de mes coffres. Et j'espère que vos runs se portent bien et que vous avez quand même des gros coffres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai aux commentaires. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!